Bonjour, ça y est, mon livre est sorti. Donc, le livre Le Business de la glace. On va dire la Bible de la glace, d'accord? Alors, je ne parle pas comme d'habitude des livres qui parlent de la glace, du style les recettes, les glaces, etc. Non, moi, je parle du business de la glace, d'accord? Donc, dans ce bouquin-là, bon, vous avez vu, c'est quand même la Bible, hein, c'est quand même assez épais. Je traite de plusieurs sujets. Alors, j'ai mis le livre en trois parties. La première partie, bon, c'est un peu du général, la glace, d'accord? Ok, en deuxième partie, j'ai expliqué tous les concepts. Moi, j'ai parlé de toutes les sortes de glaces, d'accord? La glace en bague, la glace en pot, les sucettes glacées, la glace à l'italienne. Et la troisième partie, là, je suis rentré dans des détails, d'accord? Tout ce qu'on peut faire avec une machine à glace à l'italienne. Le concept des glaces en pot, d'accord? Les sundaes, les yaourts glacés, d'accord? Tout ce qu'on peut faire avec ça. J'ai, en fin de compte, j'ai fait un bouquin qui est super bien détaillé. Et du coup, je pense que c'est un bouquin qui va plaire à pas mal de gens. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, attendez, hop, je prends un livre comme ça. Parce que il existe en plusieurs versions, mais je vous expliquerai ça juste après. Donc, ça va jusqu'au camion de glace, d'accord? En fin de compte, je parle, bon, les glaces à indice glycémique bas, la glace à la ferme, les entremets glacés, bon, les bûches glacées, les granitas, les esquimaux, la glace moléculaire, la glace en bague, donc les glaces italiennes, alors les machines, je parle des machines à glace, d'accord, toutes les sortes de machines, les chinoises, les italiennes, les Made in France, les Made in Germany, d'accord. Donc, pour les glaces en bague, donc j'explique tout le matériel qu'il y a besoin pour faire sa glace. Je donne des tarifs, d'accord? Comme ça, au moins, vous avez un truc de chiffré. Les prix de vente, qu'est-ce qu'on peut générer? Donc, j'ai une version voilà, couleur et une version en noir et blanc, d'accord? La version couleur, Amazon m'a fait un truc de luxe. Donc ça coûte un bras, je trouve que c'est cher. Bon, c'est sûr que c'est plus en carton et truc, c'est plus le carton, le livre qu'on va offrir. Mais la version normale, comme celui-là, relié, moi c'est broché que ça s'appelle, d'accord, là on est à 30 balles, d'accord, 29,90, un truc comme ça, d'accord. Et j'ai même vu la version ebook pour ceux qui veulent juste le contenu, et voilà, c'est à 10 balles quoi, je crois, d'accord. Donc c'est assez complet. C'est la première fois que j'ai regardé, il n'existe pas de bouquin qui traite du business entier, d'accord. Normalement, voilà, c'est soit il parle de ci, soit de ça, mais il dit pas. Là, j'ai vraiment sorti ma science, d'accord. Les esquimaux, les granités, c'est un truc de folie, d'accord. Donc, les glaces régionales. En fin de compte, de tout ce que je peux avoir traité dans la chaîne YouTube, bah, je le mets là, c'est là-dedans, d'accord. En fin de compte, bah, dessous, ceux qui sont intéressés par ce bouquin, d'accord, pour offrir, ne serait-ce que pour cadeau, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le business, d'accord. C'est en plus, il va y avoir Noël, c'est la super bonne idée, d'accord. Donc c'est sur Amazon, je vous mettrai un lien en dessous de façon pour aller voir directement. Et du coup, c'est celui-là vraiment le bouquin, d'accord. J'ai commencé à faire ça pour le confinement, d'accord. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit moment, d'accord. Et ça traîne, ça avance pas bien vite, et voilà. Mais j'ai vraiment voulu détailler tout, hein. L'idée m'est venue du livre, c'est ben, pour le confinement, quand j'ai commencé à faire le site machine-a-glace.com, d'accord, je faisais des prévisionnels, d'accord. En fin de compte, je savais que j'aime bien donner des chiffres aux gens pour leur faire voir combien ça rapporte. Du coup, c'était parti sur les sucettes glacées, combien on peut faire de sucettes glacées, à quel tarif ça va sortir, le bout de bois, combien ça coûte, l'ensachage, la main d'œuvre, combien qu'il faut de personnes. Voilà, pour, le truc pour monter un business, quoi, d'accord. Et je parle pas de la business pour gagner 50 000 balles par an. Non, non, je parle le truc, le gros chiffre, d'accord. Vous savez, comme quoi, je vous ai déjà expliqué, comme quoi, avec rien que les sucettes glacées, le business à 1 million d'euros, c'est super atteignable. C'est pas le truc, voilà. Surtout que, je vais vous donner un truc, 5,5 litres de glace par an et par personne en France, d'accord. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que si vous êtes dans une ville où il y a 1000 habitants, le potentiel c'est 5500 litres de glace, d'accord, juste pour 1000. Alors on en parle là-dedans. Allez, ben, je vous remercie pour le pouce bleu, n'hésitez pas à partager, d'accord, ça va faire connaître un petit peu mon bouquin, d'accord. Donc mettez un petit lien, faire un petit truc sur les réseaux sociaux, ça fera plaisir, ça vous coûte rien, d'accord, c'est gratuit. Et rappelez-vous, comme quoi l'autre jour j'ai fait un truc, j'ai dit que celui qui m'a donné le titre du livre, j'ai choisi le business de la glace parce que du coup,
vous aviez aimé, vous m'avez donné des idées et du coup, à partir de toutes vos idées, j'ai fait ça. Et c'est vrai que le business de la glace, c'était vraiment simple. J'étais parti sur le guide ultime. Regarde, je l'ai gardé là parce que quelqu'un m'en avait parlé, le guide ultime, d'accord? Et voilà. Et donc, je vais faire un tirage au sort en direct, d'accord? Comme ça, je vais mettre les petits noms de tous ceux qui ont participé sur le formulaire, d'accord? Et voilà, j'en tire un au hasard et du coup, il aura le livre. Ça sera son cadeau de Noël. Ok, allez, je vous remercie encore une fois pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.